Donc, je sélectionne le premier objet et vous avez ici placé l'image sur le modèle ou menu fichier importer, placer l'image sur le modèle. Ah oui, au passage, vous voyez qu'il y aurait possibilité d'importer une matière. Il y a différentes choses qui peuvent être faites. On n'a pas vu d'ailleurs la baguette magique dans Dimension encore. Bon, peu importe. Donc c'est fichier importer, placer l'image sur le modèle. Là, voilà, elle est là. Et on la garde en décalcomanie parce que si on choisit fond, elle va recouvrir, elle va enrober comme elle peut. Elle a de la transparence, elle est ronde. Donc elle n'arrive pas à recouvrir tout, mais elle tourne autour de l'objet, c'est foireux, c'est pas le but ici. Donc dans ce cas-ci, c'est bien décalcomanie, on veut une seule occurrence de l'objet, de l'étiquette. Ah oui, vous pouvez tester sur l'objet d'à côté. Voilà. Et vous remarquez qu'elle s'allonge. Oui. Et sur l'objet d'à côté. Et vous remarquez qu'elle s'écrase. Voilà. Ça, c'est le problème quand on importe des images sur des objets dont les proportions ont été modifiées dans Dimension. Si vous trouvez une parade pour éviter ça, je suis preneur, mais a priori, je pense qu'il faut que les objets, leurs dimensions aient été modifiées dans un logiciel 3D à part, avant de les importer dans Dimension.